Alors évidemment, bonjour à tous. Tous les jours sur mes nouvelles vidéos, je passe entre 15 et 30 minutes à lire le plus possible de commentaires. J'avoue que dans la plupart des cas, vous êtes très gentils. Très très gentils. Mais je suis sûr que si on fouille bien, on peut trouver ensemble vos méchants commentaires. C'est parti. Et ben on va voir ce qu'on a. L'euro. Génon. En parlant des 12 positions sexuelles. C'est possible. Ça se voit, t'es à court d'idées. N'importe quoi. Je serai à court d'idées le jour où je ferai une vidéo sur les mauvais commentaires. Moi, c'est ce que j'aime dans vos commentaires, c'est qu'il y a souvent de la construction. Je peux en retirer quelque chose. Notamment. Caca. Mais meurs. On part sur de la volonté de me faire mourir. Placement de zizi. J'avoue, ça peut m'arriver. Il va falloir faire quelque chose pour tes cheveux. Bah, pourquoi tu dis ça? J'adore tes vidéos, mais ça commence à devenir un peu chiant. Les blagues insistantes sur le physique des filles, on a un cerveau aussi. Ah bon? Attends, cerveau, fille, image. Ah merde, apparemment, ouais. Mais écoute, j'en prends note pour les prochaines vidéos. Vous formez un beau couple. Attends, c'est sur les vidéos avec Anna ou avec Alexandra? Avec Maxime. Titre putaclic, sinon bonne vidéo quand même. Oh là là. Je sens que je vais vous sortir bientôt une vidéo qui s'appellera putaclic. On verra bien. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez. J'avoue, c'est un peu putain commentaire ce que je viens de dire. Là, je crois qu'on a un petit génie du commentaire. Fais gaffe, Pierre, tu fais trop de vidéos, tu vas bousiller ton site à force. Mon site, c'est YouTube, évidemment. C'est moi qui ai codé, j'avais 2-3 jours, j'ai pu faire ça tranquillement. Si toutes tes vidéos que tu fais ne font pas 1 million de vues en 3 jours, ça sert à rien d'en mettre 200 vidéos en un mois. Le calcul est vite fait, je fais une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant un mois. Ça fait environ 200. Tes vidéos ne feront jamais 1 million de vues, elles stagnent à 200 000 vues, plus les achats de vues à 400 000. Oui, parce que je vous l'avoue, tous les matins, je mets 200-300 balles dans l'achat de vues, ça me plaît de perdre de l'argent comme ça. Et j'achète aussi la moitié de mes abonnés. C'est-à-dire que c'est des gens que je croise dans la rue et que je finance à coups de gros bifton. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Les gens, ils ont vu Mr. V, Norman, Cyprien, ils sont déjà tout appris. Et ils en ont plein le cul des vidéos tuto de la vie de ton genre. Il est fini ce concept avec ta tronche en miniature tous les jours, ça commence à être chiant. Vraiment, sois pas blessé, Pierre, c'est la vérité vraie. In vino veritas. Alors, j'étais Racine Games. Avant de t'aventurer sur le latin, je te propose de maîtriser d'abord totalement le français. C'est peut-être mieux à ce niveau-là. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le filet de bave au début. N'importe quoi, ça m'est jamais arrivé. Ah merde. Change d'intro, j'en peux plus. Oh non, j'aime bien moi cette intro. Bah, je peux faire quoi? Alors évidemment, bonsoir à tous. Alors évidemment, bon matin à tous. Je sais pas ce que je peux faire. Fais-nous des placements de produits, on voit encore des cadeaux. Baptiste, je peux pas tout le temps gagner de l'argent, d'accord? Elle est où la vidéo aujourd'hui? Oui, la semaine dernière, vendredi, j'ai pas pu faire de vidéo. J'avoue. J'étais en spectacle, j'avais plein de choses installées, j'ai pas eu le temps. Si vous voulez être au courant si une vidéo n'est pas en ligne ou que je suis en retard, ajoutez-moi sur Twitter ou sur Snapchat, je mets un petit message. La référence juste en bas. T'es obèse. Pourquoi tu dis ça, Jesse? T'es de plus en plus flippant. N'importe quoi. Ich liebe dich, mais il m'insulte en allemand maintenant. Vous êtes vraiment horrible. Plagia Wald. Plagia Cyprien. Plagia Pierre Cross. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je précise juste que j'ai sélectionné volontairement les commentaires un peu piquants, mais autour de ça, sachez qu'il y a quand même une majorité de commentaires positifs, et j'en suis très content. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous l'aurais dit, je suis très fier de plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a souvent des commentaires constructifs, quand je demande de me proposer des idées, des thèmes, etc., vous participez, et ça, c'est toujours plaisant. Et la deuxième, c'est que là, j'ai pris l'extrême, mais même quand il y a des critiques, ça reste en général intelligent, et moi, je peux en faire quelque chose. Donc, je voulais juste terminer sur une note un peu positive, hein, des choses qui me font plaisir. Toujours aussi cool tes vidéos, Pierre, continue comme ça. Excellent concept, j'adore, top. Tu fais de la peine, gros. EDP. Bon bah, en tout cas, merci à tous pour cette semaine. Moi, je me suis bien amusé. À la semaine prochaine, du lundi au vendredi, 6h30. Donc, abonnez-vous. Merci.